Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial pleine lune. Vous savez que maintenant, à chaque lunaison, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, je vous fais un tirage des énergies en cours et vous expliquer un petit peu voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre ciel énergétique. Et je fais aussi des rituels pour les gens qui sont sur la chaîne. Et vous pouvez participer aussi à ces rituels-là. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, un tirage général comme on fait d'habitude pour tout le monde. Et après, on va plonger un petit peu dans l'astro-guidance et voir ce que les signes du zodiaque et les énergies ont à vous dire. Il vous faudra écouter les messages pour vos signes solaires, lunaires et ascendants. Je vous ai mis le minutage de la vidéo juste en bas, comme ça vous pouvez naviguer tranquillement et choisir votre signe. Donc vous aurez aussi un petit tirage à choix à la fin pour une question que peut-être, voilà, qui vous turlupine, que vous voulez avoir une réponse. Vous pourrez à la fin penser à une question. D'accord ? Alors, on commence tout de suite avec cette énergie de la lune en scorpion. Donc c'est un événement astrologique assez important, d'accord, qui a des impacts sur nos émotions, mais aussi sur nos comportements. Et il y a plein de choses qui vont pouvoir se montrer durant cette pleine lune, d'accord. Donc on va voir ce que les oracles... Donc, rien ne se déclenche, on va couper et je vais prendre les trois cartes du haut. Et je vais prendre une quatrième carte, juste pour avoir une clarification. Très bien, je comprends le message que l'on veut nous faire passer. Alors, à savoir que quand la lune est en scorpion, il y a une sorte d'intensité émotionnelle, d'accord. Le scorpion est un signe qui est très intense, je peux vous le dire, car j'en ai deux chez moi. Ma meilleure amie aussi est une scorpionne. Donc, ce sont des gens qui côtoient mon quotidien assez souvent. Je connais beaucoup, beaucoup de scorpions dans mon entourage. Et ce sont des gens qui sont très intenses, très passionnés, qui sont aussi profondément émotionnels, normal parce que ce sont des signes d'eau. Et pendant la pleine lune en scorpion, vous pouvez vous sentir aussi voilà, un peu émotif, plus émotif que d'habitude et avoir des sentiments assez forts, d'accord. Donc là, la première carte qui apparaît pour vous, c'est la carte de la bénédiction. Vous êtes en mode réceptif durant cette pleine lune en scorpion. Vous êtes en réceptivité, il y a plein d'énergies qui viennent vers vous, il y a plein de petits portails comme ça qui s'ouvrent devant vous. Et vous pourrez constater qu'il y a des transformations qui se mettent en place, d'accord. Le scorpion, d'ailleurs, est associé à tout ce qui est transformation et à tout ce qui est aussi, voilà, régénération, d'accord. Donc, durant cette pleine lune, vous, peut-être, hein, vous pourrez avoir une sorte de, comment dire, une sorte de libération. On a ici la carte de la libération. Donc, ça peut vous aider à vous libérer des vieux schémas de pensée, de comportement qui ne vous servent plus. Et aussi vous engager dans une nouvelle voie de croissance spirituelle. On a la carte de l'aventurier qui nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui se déclenche en vous et qui vous donne des ailes, qui vous permet de vous libérer de vos anciens schémas et de voir la vérité, tout simplement. La vérité de, avec cette carte-là. En profondeur, le scorpion est connu pour être, voilà, pour avoir la capacité d'aller en profondeur et de voir au-delà des apparences, d'accord. Et pendant cette pleine lune, vous serez peut-être enclin à rechercher la vérité, à explorer justement cet aspect de vous-même. Et si vous avez peut-être des tendances à vous cacher derrière les autres ou à... comment dire, ne pas vous montrer, cette lune va vous forcer à aller de l'avant. Tout ce que je dis ne s'applique pas que aux personnes qui sont nées sous le signe du scorpion, qui ont leur ascendant, quoi que ce soit. Ça s'adresse à tout le monde. On est, faites comme si que le scorpion, c'est un chapiteau. Et on est sous ce chapiteau, donc on va tous réagir un petit peu à l'énergie, voilà, du scorpion. D'accord. Au niveau de la sexualité, car cette carte me donne aussi
une certaine, comment dire, je vois l'intimité, je vois la sexualité, et vous aurez peut-être plus de désir à vous exprimer, à exprimer votre sexualité, à parler, parce que peut-être que vous êtes pudique, que vous ne parlez jamais de sexualité, vous ne parlez jamais de choses intimes, mais là, vous allez avoir cette énergie, peut-être, voilà, comme un nouveau souffle pendant cette lunaison. Pour le côté, voilà, vous serez attiré, voilà, à vous exprimer sexuellement, à partager des moments intimes avec autrui, avec votre partenaire, et à être un peu inventif aussi dans ce côté-là. D'accord? Et je vois aussi que vous serez confronté, les amis, à, comment dire, vous serez confronté à donner le meilleur de vous-même. Vous allez exiger, vous serez très exigeant, vous allez demander à ce que les autres fassent preuve d'authenticité. Et la vérité fait surface aussi beaucoup pour vous durant cette lunaison. En tout cas, ce sont des énergies qui sont très puissantes et ça a un impact assez important sur votre vie émotionnelle, mais aussi spirituelle. D'accord? Donc, il est important de prendre soin de vous pendant cette lunaison. Et pratiquer des activités de bien-être comme la méditation, le yoga, la thérapie pour aider à vous libérer des émotions et des tensions accumulées. Parce que je vois pas mal de tensions qui sont restées là, qui sont restées, comment dire, accumulées. Donc là, il faudra travailler là-dessus, les amis. On va voir maintenant au niveau de votre signe astrologique maintenant. J'ai envie de prendre le tarot. J'ai envie de travailler avec le tarot aujourd'hui. Et on va tirer des cartes de tarot pour chaque signe du zodiaque. Quelle est votre guidance pour cette lunaison? D'accord? On commence avec les béliers. Nous avons le 7 de denier, la dame de bâton ainsi que le soleil. Alors pour vous les béliers, durant cette lunaison, il faudra faire preuve de patience. Je vous vois avoir la fougue, vouloir voir que les choses se réalisent très vite pour vous. Mais certaines choses prennent un peu plus de temps que prévu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le temps qu'il vous faut attendre, la victoire est au bout du chemin. Je vois une femme ici qui est montrée par la dame de bâton. Une femme qui est active, qui est très passionnée par ce qu'elle fait, par son travail, par ses idées. Et peut-être cette femme, c'est vous, ou si ça peut représenter une personne qui vous vient en aide et grâce à sa créativité, à sa flamboyance, à son rayonnement, elle pourra vous apporter, voilà, certains conseils pour cette lunaison. Pour les taureaux, nous avons la maison Dieu, nous avons le 2 d'épée, ainsi que la dame de denier. Alors, il vous faudra, pendant cette lunaison, faire attention à ne pas négliger certains détails très importants. D'accord? Je vous vois en train de construire, avoir des projets, vouloir grimper les échelons, avancer, mais vous faites certaines choses à l'aveuglette, et là, ça peut être un peu difficile à gérer. C'est conseillé pour vous, mes chers taureaux, à ne pas foncer tête baissée. Il vous faut un temps de réflexion, il vous faut enlever les œillères que vous avez pour que vous puissiez avoir une perspective beaucoup plus large et que vous puissiez, voilà, être prêt à relever les défis qui vous attendent. En tout cas, je vois de bonnes idées qui font surface, qui germent en vous. Ça peut être multiple, ça peut être fertile là au niveau de l'imagination, mais il vous faut avoir un œil aguerri, il vous faut vraiment vous laisser, comment dire, vous laisser un petit peu, vous laisser un petit peu guider, d'accord? Vous avez la dame de denier ici qui représente, voilà, une femme qui pourrait être capricorne, donc qui pourrait influencer votre lunaison. D'accord? Au niveau des Gémeaux, nous avons le 2 de coupe, ainsi que le 2 de denier, de bâton, pardon, et le 5 d'épée. Alors, 2 et 2, donc il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes. Ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau d'un partenariat, d'une alliance, mais en tout cas, je vois que là, il y a eu un accord passé. Enfin, on veut essayer de réconcilier les choses, de remettre les choses bien. Mais on vous dit quand même de faire attention parce que le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui essaie de vous piéger, essaie de vous déposséder. Donc attention à ne pas
trop donner. Vous avez le monde entre les mains, regardez avec ce 2 de denier, vous avez toutes les possibilités en main. Il vous faut, voilà, il vous faut être assuré que l'autre personne va faire sa part du travail. D'accord? Que vous n'êtes pas la seule personne à travailler et à faire les choses. Cancer, nous avons le valet de bâton, le 4 de denier, ainsi que le pendu. Il vous faut lâcher un petit peu la pression, les cancers. D'accord? J'ai l'impression que vous voulez trop faire, vous voulez tout faire, et il vous manque un peu de perspective, un peu de temps, un peu de vous êtes peut-être pas dans la meilleure position possible. Et là, vous voyez, vous êtes en train de tout serrer, tout tenir, et vous avez un peu les mains et les pieds liés ou occupés. C'est comme si, moi, la vision que j'ai, c'est une personne qui a plein de choses en main, donc plein de trucs dans la main, et des choses qu'il tient aussi avec ses pieds. Il y a d'autres choses qui viennent, mais il n'y a plus de place, on ne peut plus. Vous ne voulez non plus pas jeter ce qu'il y a dans votre main pour attraper les choses nouvelles, et vous ne voulez pas non plus perdre les choses qui viennent vers vous. Donc là, c'est un peu tiré dans les deux sens, et on vous conseille vraiment de mesurer. Le conseil du valet de bâton, c'est de mesurer l'impact des choses qui vont venir vers vous et les possibilités de croissance, les possibilités de prospérité qui peuvent vous être données, d'accord? Il vous faut peut-être avoir l'œil d'un expert, l'œil d'une personne qui pourrait vous aider. Les lions, nous avons le 8 d'épée, le 7 de coupe, et nous avons les amoureux. Il vous faut faire un choix, décider, parce que là, il y a des choix multiples qui se mettent devant vous. Certains sont bons, d'autres sont des fables, comme le montre le 7 de coupe. Il vous faut analyser la situation avec sagesse, d'accord? Il vous faut enlever aussi vos œillets, pareil, et essayer de trouver le chemin qui vous permettra de dévier les obstacles et les difficultés. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, on vous dit, les lions, attention, on va essayer de vous flatter, on va essayer de vous caresser dans le sens du poil, mais il vous faudra, voilà, rester aux aguets et de ne pas vous laisser manipuler par les personnes autour de vous. Les vierges, nous avons la reine de coupe, nous avons le jugement et nous avons le 9 de denier. Alors vous êtes un peu sous la réserve, d'accord? Vous cachez un peu vos plans, mais par contre, bientôt, il vous faudra révéler ces plans, il vous faudra passer à la casserole, si on veut dire la vérité. Car là, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous et vous aurez besoin de vous affirmer. Le 9 de denier est une très belle carte qui montre que vous puisez dans vos réserves, mais d'une façon prospère, et que vous pouvez montrer aussi aux autres que vous avez réussi. D'accord ? Encore une fois, ce faucon porte un petit bonnet. D'accord ? Il est dans le noir, il ne voit pas ce qui est devant lui. Et il est dirigé par cette reine qui va, comme l'art de la fauconnerie le demande, c'est lui qui va diriger le faucon vers sa cible. Et attention, parce que là, la reine de coupe aussi, elle tient entre ses mains une coupe qu'elle couvre. Il y a une signification assez proche de cela. Et on vous dit attention au karma. D'accord ? Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. D'accord ? Si certains sont injuste envers vous, ne leur rendez pas la monnaie de leur pièce. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Montrez que vous êtes humble. Montrez que vous êtes meilleur. Montrez que vous êtes la reine de cœur. D'accord ? Les balances, maintenant, pour vous, nous avons l'ermite, la lune, et nous avons l'empereur. Alors, c'est trop rigide, là, hein, les balances. Il y a une sorte de retenue, il y a une sorte de... Voilà, on ne se laisse pas impressionner, c'est très bien. Mais on est dans le retenue. On retient ses pouvoirs, on ne s'exprime pas comme il faudrait s'exprimer. Et on ne laisse pas de place à l'imagination. Les cancers et les béliers, si vous avez ces ascendants-là, vont être impactés par cette énergie, d'accord ? L'ermite ici, qui sort là, pourra influencer aussi les sagittaires. Si vous avez un signe proche de vous, sagittaire, peut-être que ce sagittaire-là va vous embrouiller un peu l'esprit,
ne va pas vous mener vers la vérité. Donc il vous faut reprendre le pouvoir, les balances, pendant cette lunaison, pour pouvoir voir la vérité et bénéficier au maximum de la lunaison. Scorpion, la lune est dans votre signe. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons le 8 de bâton, nous avons le 8 de coupe et le 6 de bâton. Alors, mouvement, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent, et ça va vers une énergie vraiment de concrétisation. Vous laissez derrière vous tout, d'accord, le bon, le mauvais. Vous avez besoin d'air frais, vous avez besoin de respirer, quitte à perdre ce que vous avez accumulé jusqu'à maintenant. Vous avez envie d'une nouvelle page, d'un nouveau chapitre, et vous avancez victorieux. Vous êtes en mode conquérant, en mode vraiment, voilà, hein, en mode viking, on va dire. Vous voulez vraiment conquérir votre réussite, et vous allez, grâce à cette lunaison, pouvoir faire avancer les choses. Surtout si vous devez mener une bataille judiciaire ou administrative, on montre qu'il y aura une réussite à ce niveau-là. Au niveau des Sagittaires, nous avons l'As de bâton, yes, nous avons le 10 d'épée et nous avons le Roi de Deniers. Finalement, les choses prennent place. Avec l'As de bâton, il y a un début de croissance, il y a quelque chose qui germe, quelque chose qui pousse, il y a une opportunité qui vient vers vous. Le 10 d'épée montre une période de lutte et de tumulte qui se termine, d'accord ? En bien ou en mal, c'est la fin de la bataille. Et nous retrouvons le Roi de Deniers. Le Roi de Deniers, c'est le roi le plus riche du tarot. C'est le roi qui tient la pièce d'or. Il a des ressources extraordinaires. Il est sous le signe du taureau. Donc, un taureau pourrait vous aider, pourrait vous apporter cette lumière. D'accord ? Et il y aura peut-être la victoire au bout du tunnel, mais ce sera avec l'aide d'une personne qui pourrait être d'un signe de terre, comme le taureau. Capricorne, nous avons la force pour vous, nous avons le 7 de bâton et nous avons le 10 de bâton. Il vous faudra lutter encore, vous voyez, ces trois cartes-là ensemble représentent les luttes du tarot, d'accord ? Où on doit lutter, où on doit prouver certaines choses, où on doit défendre sa place, où on doit voilà, se lever contre la meute et montrer notre motivation et nos convictions. D'accord ? Vous serez amené pendant cette lunaison et pendant les 28 jours qui vont arriver à vraiment lutter pour votre survie et à prouver que vous êtes la femme forte que vous prétendez être, l'homme fort, super-héros, super-héroïne que vous êtes, que vous voulez que les gens vous voient. Il vous faudra vous battre pour ce que vous voulez. Ce ne sera pas sans peine, mais le jeu en vaut la chandelle. Aquarius, Verseau, maintenant nous avons le 5 de coupe, nous avons le diable et nous avons la reine d'épée. La reine d'épée ici vous conseille d'arrêter de pleurer sur le lit renversé, arrêtez de pleurer sur les opportunités manquées. Prenez ce qui reste, prenez ce qui se tient encore debout devant vous, prenez ce qui est encore fiable et mettez-vous en route. Coupez les liens parce que le diable est fort parce qu'il y a à ses pieds des personnes qui sont liées et qui alimentent son pouvoir, qui alimentent sa domination. La reine d'épée, épée à la main, est une personne qui est forte et prête à se battre, prête à lutter. Une personne qui est pragmatique, qui lutte et qui voit loin. On vous dit avec cette carte d'aller de l'avant. D'accord ? La reine d'épée est une carte d'air donc, qui vous représente aussi vous, les Verseaux. On vous demande d'avancer, on vous demande de taper du poing sur la table et de faire les choses bien comme il faut. Les poissons, maintenant, nous avons 4 de bâton, le 3 d'épée et nous avons la justice. Écoutez, malheureusement, pas tout le monde est heureux de votre bonheur et de votre avancement. Il y a des gens qui sont jaloux et par leur maladresse, par leur jalousie, ce sont des gens qui vous déçoivent. Vous savez quoi ? On vous dit faites justice. Redressez la balance, remettez l'équilibre avec le 4 de bâton qui est une carte de reconstruction, de pilier, de stabilité. On vous demande de mettre les points sur les i. D'accord ? Même si ça doit faire mal, même si ça doit piquer un peu, c'est pas grave, il vous faut mettre les choses bien comme il faut, mettre les choses bien droites.
D'accord? Donc voilà, c'était les guidances pour les signes astrologiques. Et maintenant, si vous avez une question qui vous, voilà, qui vous turlupine un petit peu, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau... Peu importe. Je vais vous mettre deux pierres. Aventurine verte pour le choix numéro 1 et améthyste pour le choix numéro 2. Je mets les pierres là devant vous. Prenez un petit moment peut-être pour réfléchir le temps que je prépare les oracles. D'accord ? Et je vais utiliser le livre « Message des guides spirituels ». C'est un livre oracle pour vous donner une réponse pour le choix 1, le choix 2. Et on va demander au guide de vous « guider » entre guillemets pour cette question. D'accord ? Posez votre question. Après, on va y aller pour l'interprétation et pour le tirage. Donc, on commence avec ceux qui ont choisi l'aventurine verte. On va voir quels messages vos guides spirituels ont pour vous. Quels sont les messages qu'ils veulent vous faire passer. Quel est le message du moment? Alors, on vous dit, allumez des bougies, ouvrez les fenêtres pour laisser entrer la lumière du soleil, pour illuminer votre environnement et purifier l'énergie. Donc, dans cette question que vous vous posez, vous avez besoin de faire rentrer de nouvelles énergies. Que ce soit à travers le rituel, avec des bougies, des prières, en ouvrant la fenêtre, vous avez besoin de faire un air frais, entrer dans cette situation. Il y a un besoin de nouveaux éléments, il y a un besoin de nouvelles ouvertures pour que vous puissiez voilà, obtenir quelque chose. D'accord ? Et on vous dit que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Laissez l'amour vous guider dans toutes vos actions et décisions. Donc cela pourra vous permettre de trouver une réponse à la question que vous posez. L'amour est la clé, l'amour est la réponse à cette question. D'accord ? Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on va voir pour vous, concernant votre question, quel message les guides ont pour vous ? Nous avons rencontré de nouvelles personnes et élargissez votre cercle social pour découvrir de nouvelles perspectives et expériences. Donc on vous invite vraiment à rencontrer de nouvelles personnes et à faire de nouvelles rencontres et à découvrir de nouvelles perspectives. Il y a un besoin là aussi de changer un peu votre attitude et de faire entrer de la nouveauté dans votre vie. Si c'est sentimentalement cette question, on comprend bien qu'on vous dit de laisser partir cette personne pour laisser d'autres nouvelles revenir. Et vous avez le même message, l'amour est la force la plus puissante de l'univers, laissez l'amour vous guider dans toutes vos actions et décisions. Donc, l'amour sera la réponse à votre question. D'accord ? Donc j'espère que ce tirage vous a plu les amis, ça a été un très grand plaisir pour moi de l'effectuer pour vous. C'est toujours dans la bonne humeur, dans le good vibe, dans le feel good que je fais mes tirages, toujours pour vous aider à trouver une solution. On n'est pas là pour pleurer sur son sort et pour se plaindre, on est là pour avoir des réponses et construire un avenir où on est les maîtres de la situation, où vous serez le roi de votre royaume, le roi de votre vie. N'oubliez pas, vous avez le libre arbitre et personne ne peut vous emprisonner, personne ne peut vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. D'accord ? Donc, on lutte, ce n'est pas facile tous les jours, mais on reste motivé. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, sachez que vous êtes un être extraordinaire, rempli de lumière et que Dieu vous aime, que vos anges vous aiment, que vos guides spirituels vous aiment, d'un amour inconditionnel. Et si vous saviez combien il vous aimait, vous en pleuriez. D'accord ? Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne, soutenez ma chaîne, mettez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo et venez faire partie de la tribu. Une famille, voilà, tournée vers le spirituel, vers la positivité, la générosité, la bienveillance. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.